On va travailler sur le chapitre lumière, onde et particules. On va faire un exercice d'entraînement qui va nous permettre de manipuler le diagramme des niveaux d'énergie, les calculs d'énergie en électronvolts, les transitions, etc. Donc voilà l'énoncé. Comme d'habitude, je te conseille de faire une première lecture de ton côté, d'essayer de résoudre l'exercice. Après, tu regardes avec ma vidéo si tu as répondu correctement, etc. Bref, tu compares tes réponses. Allez, let's go. La grande nébuleuse d'Orion est une des nébuleuses les plus brillantes du ciel. Elle est constituée en majorité d'atomes d'hydrogène, dont certains sont dans un état excité. Donc ça, état excité, état fondamental, ça fait partie donc du cours. La couleur rose de la nébuleuse est due à une transition de l'atome d'hydrogène entre les niveaux d'énergie E2 et E1. Donc là, on a le diagramme des niveaux d'énergie. Tu reconnais donc les différents états. Et on te demande... alors on ne va pas te poser la question des états, mais ça on va le rappeler. Avant même de lire la question, il y a un truc que je veux rappeler vu qu'on ne pose pas la question. Donc juste pour le vocabulaire E0, on appelle ça l'état fondamental. Ensuite, E1, E2, etc. C'est les états excités, donc même E infini, état excité. Et puis E infini, c'est l'état d'ionisation en fait. État ionisé. C'est-à-dire que dans cet état-là, tu arraches un électron à l'atome. Voilà, il y a tellement d'énergie qu'il y a un électron qui dégage. Cette transition correspond-elle, donc la transition de E2 à E1, on va la représenter d'ailleurs, correspond-elle à une émission ou une absorption de lumière? Alors on va représenter cette transition. L'atome d'hydrogène, il va faire une transition de E2 à E1. Voilà, donc je l'ai représenté. Alors pour la question 1, je te propose d'y répondre en disant la chose suivante. De E2 à E1, pour que tu comprennes bien en fait ce qui se passe, de E2 à E1, l'atome d'hydrogène, je vais mettre H, perd de l'énergie. Je vais même mettre, il diminue son énergie. Puisqu'il diminue son énergie, il passe d'un niveau excité à un niveau moins excité, ça veut dire qu'il dégage, il libère. Il libère de l'énergie. Et cette énergie, il la libère sous quelle forme? Il libère de l'énergie sous forme de lumière. On va l'écrire comme ça. Sous forme de lumière. Donc il libère de l'énergie. Ça veut dire qu'on est dans le cadre d'une émission lumineuse. OK? Et donc la question c'était, est-ce que c'est une émission ou une absorption? On émet de la lumière. Ce qui permet à l'atome d'hydrogène de libérer de l'énergie. Voilà. Représenter cette transition sur un diagramme, donc c'est fait. Calculer la longueur d'onde dans le vide de la radiation correspondante. Alors ici, il faut que tu saches que... C'est quoi? C'est la question 3. Alors question 3. Il faut que tu saches que l'énergie du photon... Tu sais, le photon, c'est la particule de masse nulle qui transporte la lumière et donc qui possède une certaine énergie. L'énergie du photon libéré, elle est exactement égale au delta énergie quand l'atome passe du niveau 2 au niveau 1. C'est-à-dire, elle est égale du coup à E2 moins E1. Alors, je mets dans le sens E2 moins E1 pour avoir un résultat positif. Hein. Normalement, il faut mettre en valeur absolue. E2 moins E1, ça va me sortir un résultat positif. Et du coup, en fait, l'énergie du photon, d'après la formule de Planck-Einstein, c'est aussi H fois C sur lambda. Et du coup, en fait, moi, c'est ça que je vais utiliser pour isoler lambda et déterminer la longueur d'onde dans le vide de la radiation émise. Alors, on isole lambda. À partir de la relation encadrée, ça me fait... Je mets une étape. E2 moins E1 fois lambda égale H fois C. Et du coup, lambda tout court,
CH fois C sur E2 moins E1. Voilà. Là, tu as lambda. Après, tu n'as plus qu'à calculer. Alors attention, E2 et E1 sur le diagramme, ils sont donnés en électronvolts. Tu vois? Là, c'est que des électronvolts ici. Moins 1,51, moins 3,40. C'est des électronvolts. Il faut que tu les convertisses en joules dans la relation. Donc, on va les convertir en joules. La constante de Planck, elle est donnée. La vitesse de la lumière dans le vide, elle est donnée. Donc, on a juste à convertir E2 moins E1 en joules. On va d'abord le calculer, après, on le convertit. Je te propose de le calculer ici, puisqu'on l'a sous les yeux. E2 moins E1, ça fait moins 1,51 moins 3,40. Bon, tu m'en veux pas, je prends la calculatrice pour faire ça avec les décimaux. J'ai pas envie de me prendre la tête. Ça fait 1,89. 1,89 électronvolts. Et si je veux passer les électronvolts en joules, tu as le rapport de conversion ici, là. Après, à force de l'utiliser dans les exos, on s'en souvient, quoi. À force de le faire. 1 électronvolt, c'est 1,60. 10 moins 19 joules. Donc si tu veux passer 1,89 électronvolts en joules, tu fais un produit en croix. 1,89 fois 1,60, 10 moins 19. Bon, on va utiliser ça directement dans la relation là. Donc lambda, si tu fais l'application numérique, lambda, ça va te donner donc 6,63. 10 moins 34. Ok, le H il est là. Fois 3, 10 puissance 8. Tu vois, je mets bien les bons nombres de chiffres significatifs. Hein. Même si on dit 3, 10 puissance 8, il nous impose 3 chiffres, 3,00. C'est important pour que ton résultat soit exprimé avec le bon nombre de chiffres significatifs. En fait, on aura 3 chiffres. Parce que là, de partout, je vois qu'il y a 3 chiffres. Hop. Allez, lambda du coup avec trois chiffres significatifs, il sera exprimé en mètres, ok, parce qu'on a tout mis dans les unités du système international. Et après, on pourra le passer en nanomètres si tu veux, pour que ce soit plus parlant. Donc 6,63, 3 10 puissance 8. Ok, donc ça fait 6 environ, 6,58 fois 10 moins 7 mètres, c'est-à-dire environ 658 nanomètres. Voilà, ça c'est la longueur d'onde du photon émis par l'atome d'hydrogène, 658 nanomètres. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ensuite? Pour la dernière question, en utilisant le spectre de la lumière visible donné dans l'essentiel, page 52, et là je me rends compte que du coup j'ai pas pris tout ce qu'il fallait, montrer que la valeur obtenue est en accord avec la couleur rose de la nébuleuse. Bon, ok, alors dans le bouquin où j'ai pris l'exercice, le spectre page 52, c'est le spectre de la lumière visible. Ah, en plus il est tout petit. Bon, bref, c'était un spectre où on t'indiquait en fonction de la longueur d'onde, les lumières, enfin les couleurs, pardon, des radiations. Et à 650 à peu près, tu es dans le rose, quoi. Faut juste vérifier que pour 650 nanomètres à peu près, ça correspond à la radiation rose. Voilà. Mais en tout cas, pour cet exercice, fallait juste avoir interprété comment dire, la transition de l'atome d'hydrogène, dire que c'était donc du coup une émission de lumière. Ensuite, calculer l'énergie, la passer en joules. Déduire la longueur d'onde correspondant à cette énergie et puis voilà, vérifier la cohérence du résultat. Ok? Bon, bah voilà, j'espère que cet exercice t'a plu. C'est un exercice méthode ultra classique. Je vais t'en faire d'autres là sur le même thème. Ça ressemble vraiment très souvent à ça. Donc, c'est pas vraiment compliqué, mais entraîne-toi quand même sur d'autres exercices du même genre. Diffuse et partage cette vidéo autour de toi. Si elle t'a plu, si tu la trouves utile, abonne-toi à ma chaîne. N'hésite pas à m'envoyer aussi tes sujets de contrôle d'interro en maths et physique chimie pour que je fasse des exos de plus en plus pertinents avec des vrais exos qui tombent au DS pour que tu puisses t'entraîner sur des trucs vraiment costauds. Et puis sinon, d'ici là, travaille bien et à la prochaine. Allez, ciao!